Bon, allez, aujourd'hui, la team, on se retrouve au château de Bessac. Et il fait toujours beau. Ah, il est beau celui-là. Alors, dans ce château était filmé les visiteurs 2. J'ai dit quoi aussi? Et tu le verras après, tu sais, il y a marqué un truc. Ah oui, bah, je vous montrerai après. Jérôme, il a dit, on verra après. C'est là l'entrée? Oh, il tape. Ouais. Il fait chaud là d'un coup. On va pas se plaindre, On va pas se plaindre. Le truc normal. Après, c'est des points de normal. Oui, c'est ce que je te disais, qu'il y avait tous les châteaux. En fait, là, il y a une vue. En fait, il y a 5 châteaux de la Dordogne. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, au fond, je vais essayer de vous zoomer. Vous avez Castelnau. Donc là, vous avez un château ici. Alors, vous en avez un autre là-haut, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Et après, il y en a d'autres. Et là, vous avez la Dordogne qui passe. C'est quand même, tu te dis, mais à l'époque, comment ils pouvaient construire? Il n'y avait pas les grues, il n'y avait pas. C'est ça, hein? Il n'y avait rien de tout ça. Elle a du sang aux deux.
Il n'y a pas en bas. Tu sais, c'est le petit jardin qu'on avait été. Je ne vois pas, je trouve. Donc là, vous pouvez voir, on retrouve encore une vue là. Regardez. Bon, je vous prends un peu face caméra. Donc là, comme vous pouvez voir, on est au château de Bénac. Et franchement, il fait super beau, il fait super bon. Comme vous voyez, je suis en débardeur, lunettes de soleil, le petit sac à dos comme Dora qui va bien. Donc ben, on va vous faire la petite visite un petit peu du château de Bénac et normalement après on va, je ne sais plus. Alors hier on a voulu aller à Rocamadour, c'était blindé, impossible de trouver une place pour se garer, ça a été une catastrophe. Donc du coup on a abandonné l'idée et juste on est allé à Collonges-la-Rouge et on est passé vite fait à Turenne. Et là avant d'aller à, je ne sais plus comment ça s'appelle où on doit aller. Bref, on s'est arrêté à Bénac, donc c'est là où a été tourné, je vous ai dit tout à l'heure, Les Visiteurs 2, où ça a été tourné Jeanne d'Arc, et je ne sais plus quel film, enfin je vous montrerai ça, c'est marqué normalement à la fin. Donc voilà, c'est un des châteaux, et il y a aussi une grosse production américaine qui est venue il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, pour filmer aussi dans ce château. C'est un château qui est en France, il y a beaucoup de cinéma en fait qui a été tourné ici, voilà. Bon, allez, nous on va continuer la petite visite du château et à tout à l'heure. Meurtrière. Hein. Là c'est clair. Non, mais t'as pas le droit de faire ça. C'est le premier en série. Il y a du saucisson environ, non? Au moins, tu ne manges pas beaucoup. T'imagines avec un abri des bois? C'est ça. Près de la fenêtre. Ouais. C'est sûr. Par contre, ça sent vraiment le style de meubles que j'aime pas. C'est vraiment les meubles, même pas, je mettrais ça chez moi. C'est trop. Ah, c'est rustique, hein. Je pense que ça doit être les toilettes, ça. Ah, peut-être. Oh, voilà, ça allait directement dans les... Pipi room, ah c'est pas la même que tout à l'heure. C'est des toutes petites pièces, hein.
Ouais. Celui-là il est joli, mais Castelnau c'est plus château fort. Il y a quoi là-dedans? Chapelle. Ah ouais, c'est vraiment petit. Ah oui, elle est chouette l'escalier là. Là c'est comme ils vivaient à l'époque là, à Ardé. C'est génial, t'as vu? C'est le salon de je sais pas quoi. C'est quoi? On peut pas rentrer parce qu'on a la barrière là, mais je vous montre. C'est chouette. Ouais. Vraiment comme à l'époque. Je monte, je filme. Ah merde. Te jette pas, Elia. Je me demande quand ces tuiles elles sont d'époque. Ah, ils ont dû refaire le toit, je pense, quand même. Ouais, parce qu'elles ont pas l'air quand même si vieilles que ça. Je crois que la taille moyenne c'était 1m57 ou un truc comme ça, alors que maintenant c'est la taille moyenne, c'est 1m75. Ouais, donc il y a 20 cm de tour à moins de ce siècle. Et t'as même le feu qui crépite, écoute. Ouais, il y a du son. Les faisans, tout ça. Là. Bah ouais, à l'époque, t'avais pas de frigo. Hein. Mais vu la fraîcheur, je pense que ça se conserve. Mais pour un château comme ça, la cuisine n'est pas bien grande. Hein. Jérôme est déjà à table. Quand ça revient et tout, il n'y avait pas de machin, il n'y avait plus vieux et tout. C'est la barbacane. S'il y en a qui voulaient jouer. Hein. Ça va, ça va. Je
C'est beau, hein? Ah ouais, ouais. Ça, par contre, on a vraiment de la chance, hein, pour le coup. Là, tu vois le jardin, là, non? Alors, tu me disais, imagine, t'habites là-bas toute seule. Elle disait, Yat, alors. Elle disait, ouais, elle disait, imagine, t'habites là-bas. Allez, ainsi se finit la visite. Bon allez la team, on a changé d'endroit, on est à la gorge Gajac. Donc là on est dedans, donc je vous montrerai après du bas je pense, je sais pas. Il y a une maison, je pense, abandonnée. Et en fait c'est des maisons dans la roche. Allez c'est parti pour la visite de ce village. Tu as vu, il y a de l'eau qui tombe. Hein. Oui, c'est sympa. Franchement, on se croirait même pas, on se croirait dans un truc tropical et tout, c'est bizarre, quoi. On se croirait sur les tropiques, là, plus le ciel est bleu. Regarde comme c'est joli. Ça, c'est pour Betty. Ah, regarde la terrasse avec les murs. Ah ouais. C'est une marche. Ouais. Il y a des cartes postales là-bas. Ouais, ouais, ça fait partie des plus beaux villages. Ouais, mais on verra les cartes postales après. Oui, on va faire. Par 5 pour nous, 4 pour nous. Oh.
Après la route, ça doit être. Même la route, tu vois, ça fait.